Voici l'objet du conflit, une retenue collinaire de 320 000 mètres cubes d'eau qui contribue à irriguer près de 40 exploitations. La construction du barrage a été autorisée en 2003 par arrêté préfectoral, juste au-dessus d'une rivière. Un choix qui ne plaît pas du tout aux associations environnementales. Elles ont porté plainte. On a une rivière qui était à l'état naturel et cet état naturel a été compromis avec toute l'évolution négative, donc perte de biodiversité, rabaissement de la qualité des eaux et de l'intérêt écologique. On fait disparaître comme ça donc des espèces qu'il faut absolument protéger. La Cour d'appel administrative de Bordeaux a donné raison aux associations en annulant la validité de construction ainsi que l'autorisation d'irriguer. Les exploitants sont dans l'impasse. À partir du moment où on a de l'eau qui est retenue et où l'autorisation de construire le barrage est réelle, quoi, hein. Comment ne pas utiliser l'eau? Moi, on perd un peu de bon sens quelque part, paysan, rural ou d'aménagement du territoire. Devant la gravité de la sécheresse, un arrêté préfectoral autorise temporairement l'irrigation par cette retenue collinaire. Et pour cet agriculteur, c'est la seule solution pour arroser ses cultures. Dans les cultures de printemps, donc comme les cultures qu'on irrigue, pour l'instant on n'est pas touché puisqu'on a pu irriguer normalement via ce lac. J'ai acheté plus de 40 000 mètres cubes. Vu la sécheresse qu'on a eue en début d'année, ça aurait été une année où il aurait vraiment tout fallu et tout, hein, même en économisant. Hein. Aujourd'hui, grâce aux orages, pas besoin d'irriguer. Mais les agriculteurs attendent quand même des mesures concrètes après les annonces faites par le gouvernement visant à favoriser l'accès des réserves en eau. Pour les associations environnementales, la solution est ailleurs. Selon elles, il faut repenser entièrement l'agriculture, privilégier par exemple des cultures moins coûteuses en eau.